Bonjour à tous, ou bonsoir. Pour le coup, chez moi, c'est midi. Un peu plus, ouais, 1h30. Donc, bon appétit d'ailleurs. Hein. Ça me fait penser, ça fait longtemps que j'oublie de le souhaiter. Parce que oui, tous les geeks mangent devant leur PC. Hein. C'est une institution. Et puis, de toute façon, on est à table, hein, donc faites pas chier. Bienvenue à nouveau, en espérant que vous ne prenez pas ça en cours de route, dans Baldur's Gate Enhanced Edition. Il est bouché. Nous étions donc allés récupérer Dinaire histoire d'avoir They le wish groupe au my complet. ear. What do you want? Ce qui est fait. Nous sommes donc à la forteresse Gnoll où elle était retenue prisonnière et nous allons retourner à Nashkel. Right, En it's mode on express, me, hein, is je vais it? m'amuser à me retaper toutes les cartes. Et notez d'ailleurs ici à la forteresse Gnoll que ça repop. Par exemple, j'étais passé par là, Nianer, j'étais sur Nianer, et en revenant, il y avait des Xvart sur le chemin. Enfin, il y avait popé ici, en fait, une fois que j'étais passé. Et ça peut se faire tout le long du sentier, etc. C'est assez bien vu pour le côté bah, roleplay, encore une fois. Je trace à mort, évidemment, donc j'oublie plein d'XP au passage, et je ne sais peut-être pas. J'essaye de pas trop oublier de matos, parce que quelque part, vu que vous ne pouvez pas atteindre des niveaux complètement craqués dans Baldur's Gate, le premier, vous êtes limité au niveau 8 ou 9, je crois, sur la classe, avec l'extension évidemment, parce que sur l'extension c'était level 7. Et donc, du coup, ce qui va faire pas mal de différence, c'est le matos. Et pas vraiment à la manière d'un hack and slash, hein, parce que ça va être des épées plus 1, des épées plus 2. Voilà. Mais comme ça coûte relativement cher et c'est relativement chiant à avoir. Alors, Nashkel est directement au mine. Ouais, donc je vais vendre quand même, quoi qu'une. Non, on va aller directement au mine. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Oh! Ça, c'est nouveau, par contre. J'adore. Hail and well met. Alors, cette zone, classique, hein, je veux dire, vous aviez toujours pu vous faire attaquer comme ça qu'on fait des grands voyages. Mais par un groupe de bandits, ça, c'est complètement nouveau. Et là où c'est chiant, c'est que je suis complètement pas préparé. Par exemple, lui, on peut voir qu'il y a une rondage plus 1 et tout, donc ça sent pas le groupe de Lopette. No, no, there's no reason for this to turn violent. Hand over your belongings and you may yet live. You should listen to Senjak, friend. Perhaps you've noticed our associates who are even now aiming their arrows at your hearts. Raise a hand against us What? And they'll cut you down. Now then, empty your pockets and... What? What's going on back there? Oh, ça this... pue, ça pue. This is impossible. Senjak! Oh, I swore I would crush the oh, life out of you someday. Today is that day. Oh, oui, c'est bon. Souvenez-vous, on avait rencontré ce mec au bras amical. Il nous avait jeté complètement, nous prenons pour un serveur d'ailleurs. Ah, c'est génial. Dorn, you should be dead or rotting in a Luskan prison. How did you find us? I'm happy to see you, Dorn. Leaving you behind to take the blame. Just following orders is a dire, coward's excuse, Dorothea. What advances? She would never consort with a ha- Senjak was the first to agree with Simeon. He always hated you. Dorothea, what are you saying? Ah, a ruse, of course. You are both mewling cowards, turning on each other as easily as you turn. It didn't have to be this way. We've- This will not be okay. A quick death. Haven't you got nothing? May as well. Alors déjà, éloignez-vous. Can I help you? Hop, donc c'est un allié, évidemment. I'm not bothered. J'ai plus de sort. Whatever they need. Do they wish my ear? Comme tous les mages, pas de script. Ça évitera que As well as I can. Si, putain, ce qu'il leur met. Alors attends, ce qu'on va faire, parce que ça se trouve, j'aurai pas le temps d'aller chercher le loot. Hop. On récupère. What do you want? Right, it's on me, is it? Parce que je soupçonne qu'ils sont encore du bon matos. Ah, ça, scalp de bandit, excellent. Je crois que c'est bugué, mais je vais peut-être le prendre au cas où. You handled yourself well enough. Ouais, enfin c'est pas comme si toi t'avais explosé 5 membres du groupe comme ça tout seul, t'es là. Vous avez l'air sûr. As a rule, I do not rely on those who fight beside me. Le Perhaps you may prove an exception to the rule.
Wait. Are you? Oui, parce qu'ils peuvent pas savoir quel nom on a mis, donc forcément, à la voix, ils peuvent pas dire votre nom. Et donc du coup, le mettre. Ouais. Wait. Are you? Trois petits points. J'ai bien nommé. Par contre, du coup, comment est-ce qu'on nomme un petit? I've heard of your prowess. Traveling with you. Bon, pour l'instant, je suis absolument pas connu, donc ça fait un peu bizarre. Mais oui, c'est cohérent, parce qu'il lui faut bien une raison pour venir avec nous. Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, vu qu'on va pas mal influer sur le devenir de la Côte des Épées, ben, on devient vachement connu. Et pour l'instant, on est juste complètement pas connu, on n'a même pas réglé le problème des mines. Peut-être une autre fois, mon grand. S'il vous plaît. You shouldn't make a habit of committing mistakes like this. They add up. If you change your mind, I shall be at the friendly army. Alors, bon bah du coup c'est bien, ça va être un petit peu de plus un, c'est un plaisir. Deux, on voit Kizashi. Putain, si ça va être Kizashi contre un, plus un, c'est craqué ça. Toi tu vas toujours au cimetière, j'imagine. Bon, bah ça se revend, hein, j'ai envie de dire. Donc plein de merde de plate, ça fait plaisir, même si je suis déjà full équipé de 1 plein de plate. C'est qui qui est dans la CA? Putain, j'ai vraiment aucune connaissance. Ah, et maintenant on peut sauvegarder dans les zones. I'll get it in a minute, Gov. Parce qu'avant on pouvait pas. Ah ouais, je me suis vraiment fait attaquer à côté des mines. Donc, voilà. Right, it's on me, is it? On va faire d'autres. May as well. Hop. Ouais, donc j'avoue, je m'excuse, hein, je le dis toujours, je fais ce jeu pour vous montrer l'histoire qui pour l'instant n'a même pas débuté, mais comprenez bien que c'est la, on va dire, la préparation nécessaire, que je recrute le groupe correct, je l'écris correctement avec les quelques moyens que j'ai, et après, hop, on attaque. Donc ça, encore un petit secret, il faut savoir qu'il y a une baguette de givre ici. Baguette de givre qui est... franchement puissante dans ce jeu, comme la baguette de feu. Il y a, sachant qu'il y a 2-3 baguettes qui sont vraiment très utiles parce que vous avez des tonnes de baguettes, mais il y a la baguette de convocation de créatures. Je ne sais pas pourquoi quand je ferai un très gros boss. Right, it's on me, is it? La baguette de feu, parce qu'il nous permet de spammer les boules de feu. Et ça, c'est marrant. La boule de feu dans ce jeu est un AOE, hein, c'est un sort à dégâts de zone. Pas une petite boule de feu centrée sur quelqu'un, c'est une grosse boule de feu centrée sur les autres. J'avoue que c'est assez craqué. Les flèches, boule de feu, ce genre, c'est pas mal. Il faut un petit peu me retrouver, je sais pas. Et la baguette de glace, parce qu'elle est puissante. Pas la plus utile. Il y en a une autre aussi, que j'essaierai de vous trouver. Sunny or not, it is nice to enjoy the out of doors. Personnellement, j'adore le principe. Mais je ne vous la spoil pas encore une fois. Oh, trop cool. Ah bah ça c'est des kobolds. On va zoomer un peu. Donc ça a les jambes arquées, hein, pour faire boing boing pour sauter. Ça a des petites cornes, une gueule de chien, c'est une espèce de mini gnome en fait. Et ça fait waf waf. What do you want? Voilà, waf waf. Gros avantage en début de partie. Putain, ouais, c'est trop cher. Alors c'est pas solide, hein. Ça doit avoir 4 points de vie. Ça fait pas très mal non plus. Là, vous voyez, ils n'arrivent même pas à toucher un peu de mal. Mais avantage de début de partie, ça nous fournit une ressource qui est une unité de flèches. Et un peu de PV aussi au passage, parce que ça nous fait. Oh, des flèches plus 2, carrément, ça sent bien. Bon, bah, 3 flèches plus 2. Voilà, parce que du coup, j'ai 3 archers dans le groupe, hein, donc ça consomme. Ah oui, ça consomme 5 en plus. Voilà. You've a task? Oh, le one shot du mage. Yeah. En même temps, elle a combien de PV, c'est pas bon. Bon, je vais pas la jouer super RP, hein, du coup.
Je recharge, c'est... Voilà. Haven't you got enough? I'll get it in a minute, Gov. Donc, je suis où? Là, tout de suite. Il faudrait un peu plus par là. Donc, nous essayons de trouver l'artiste maudit du coin. Qui est ici. Qui sculpte le visage de sa bien-aimée dans la falaise. Notez que c'est quand même vachement bien fait, surtout pour l'époque. Alors... Ball plate. I'm not bored. Right, it's on me, is it? Nature's servant awaits. Give none a better. What do you want? Et là, on respire, on se prépare. D'accord. Oui. Et Diner a également une capacité spéciale, qui est de pouvoir lancer une fois par jour un ralentissement du poison. As well as I can. Ce sera pas du tout utile. Haven't you got nothing better to do? Mais je viens de me rappeler. Donc, prisme. Ah, beauteous creature. You are my masterpiece. Il est toujours aussi craqué. Alors lui, à la base, il y a une prime qui court sur sa tête parce qu'il a volé deux émeraudes à Nashkel pour pouvoir faire les jolis yeux verts de sa bien-aimée. Sauf que le propriétaire des émeraudes aimerait bien le récupérer. Et du coup, il y a un chasseur de primes, du nom de Lugri, Grey Wolf, avec sa belle... Le nom n'avait pas été traduit dans la version française, donc... Je suis Grey Wolf. Ça fait bizarre. Qui vient pour lui tataner sa gueule. Et donc il nous demande de le protéger. Alors je crois que c'est ça. Et si c'est tellement important, je te protégerai. Et là, du coup, se ramène Grey Wolf. None cross Grey Wolf and live. Bon. Voilà. Et bien, c'est un hommage. Yes, oh omnipresent alors, authority figure. Your point, squeaky wheel. You're a queer fellow. Whatever they need. You have need of me? What do you want? Haven't you got... May as well. Ouais, du coup, tout le monde s'est immobilisé, sauf que bon, putain. Ah ouais, carrément. Voilà. J'ai vraiment mal placé mon perso principal. Alors, là, ça reprend l'ancienne cinématique. Mais elle était mieux faite, la cinématique d'origine. Et notez, bah, du coup, je sais pas si je l'avais précisé, mais quand votre perso principal. Right, it's on me, is it? Là, vous avez I can, but try. Ah, beauteous creature! You are my masterpiece! Tac. Ah, j'aurais peut-être dû ressouvenir mon nom. None cross Grey Wolf and live. Ah non, mais il parle vraiment à mon perso principal. Oh non, c'est moche ça. Normalement, il faut qu'il parle au premier. Nature servant bon, awaits. Je pense que j'ai encore perdu. D'accord, no less than that. Who wants some? You have need of me? Haven't you got nothing better to do? You're a queer. I'm gone. I'm not bothered. May as well. Back of my hand with it. What do you? May as well. Voilà. What do you want? Donc maintenant qu'il est mobilisé, can I help you? My blade will cut. Haven't you got nothing better to do? En mode gangbang. Whatever they need. Tac. Allez. Pourquoi je l'attache comme ça, c'est parce que bah, il a ce que je suis venu chercher. La meilleure épée longue du jeu. Une épée longue yes, du dos qui fait des dégâts froids. Enfin, qui rajoute des dégâts froids. You have need of me? I'm not bothered. Hop, sachant que j'ai pas de sort bourrin. I care not. Attends, regarde, avec tout ce que j'ai mis dans la gueule, il est très blessé. Quoi. Yes. Bon, du coup, hop. Ah, et comme je suis attaché, j'ai moins de... C'est ça, comme je suis attaché, j'ai moins de bonus de dextérité avec la armure, un truc du genre. Ah, du coup, ça va faire mal. Ça va faire super mal. Okay, can I help you? Your point, I...
par contre, ouais, bah c'est pareil, comme il est de, comme il a un gros niveau. Oh, I may as well. Better part of valor, better part of valor. 9, putain, il tape fort, ce con. Le problème, c'est que j'ai pas le... Ouais, non, je crois pas. Right, it's on me, is it? I swear you'll never hear the end of it. Non, 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 je pense qu'il y a quelques levels pour... J'irai la chercher en sortant de la mine. Ce sera carrément. Haven't you got my... May as well. Dommage. Oui, c'est vrai que d'habitude, en fait, quand j'attaque la mine de Nashkel, en général, mon groupe est normalement tout le monde au niveau 2. Au moins. Ce qui fait que j'ai plus de PV. Hein. J'ai doublé mes PV par rapport au niveau 1. J'ai plus d'attaques. Des sorts plus difficiles à éviter. Et plus de sorts, surtout pour les mages, parce que là, Diner qui a juste deux pauvres projectiles magiques avec un seul projectile. C'est un petit peu lèche. Bon, j'ai réussi à l'amener. Ah, gravement blessé. C'est pas mal. C'est honnête. Mais ouais, il fait super mal au corps à corps. Et il est solide. Parce que notez en plus qu'il a qu'une armure de cuir, cet enculé. Hein. C'est voilà, il est facile à toucher. Donc, non, voilà. C'était un fail. C'est pas grave. Ça arrive, c'est le jeu. Et donc du coup, bah, on va résoudre le problème des mines et en sortant, on ira lui péter les dents. Donc, l'entrée de la mine est gardée par trois, vu que la mine est fermée, hein, est gardée par trois gardes. Enfin, les niveaux inférieurs sont fermés, pardon, il y a du monde dans les niveaux supérieurs. Right, it's on me, is it? Il faut parler au patron de la mine, Emerson. So you want to take a look at me mine, do you? What do you want? Et right, après, it's on me, is it? Regarde. Stand away, citizen! Hop. Et il nous laisse passer. Et nous voilà donc dans les mines. I'll get it in a minute, Gov. Oh, I'm so tired. Oh, je suis si fatigué. C'est vrai que ouais, les deux versions se valent. Donc d'autres aventuriers, blablabla, niveau inférieur, c'est horrible. Des petits démons qui jaillissent des murs, évidemment, machin, machin. Donc on peut parler à Rofi pour en savoir plus. Donc ils vont tous vous dire que c'est des espèces de démons, des machins. C'est des kobolds. Hein. Spoiler. Donc voilà, voilà. Et ben, on va se taper le mystère des mines dans la prochaine. On va enfin attaquer un brin d'histoire. Nous allons libérer la côte des épées du mal envahissant du fer friable. Oh mon dieu. Et on peut d'ailleurs fouiller les chariots et trouver du fer contaminé. Haven't you got... I'll get it in a minute, Gov. Et bien vu. Enfin, enfin. Donc, ben, si vous aimez bien le jeu, n'hésitez pas, hein, pouce vert, commentaire, partage, abonnement, blablabla, blablabla. La totale. Et n'hésitez pas à faire tourner auprès de vos amis. A plus.